Da 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 dee doo doo dee doo dee. Up at du science. Da dee da doo dee doo dee. Oh, il doit être dans les méandres de mon. Ah oui, ça fait longtemps que j'ai pas fait Portal. Attendez. Voilà, Portal 2. J'ai bâti mon guigui. C'est bizarre, mais plus à jour, je me vois plus. Bah mince alors. Je peux même pas vérifier mon possible de connecter. Oh merde. Qu'est-ce qu'il me fait? Bon, je voulais voir mon retour sur le. La perche téléphone, mais il y a un bug. Là 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 là. Solo. Ah, elle est un peu ratatinée là, GLaDOS. Un petit peu beaucoup. Bonjour, votre cryostase a duré 50 jours. Conformément aux lois nationales et fédérales, tous les candidats au test du centre de relaxation prolongée, l'Aperture Science, doivent être réveillés régulièrement pour effectuer des exercices physiques et mentaux. Vous allez entendre une sonnerie. Veuillez alors regarder le plafond. Bien, vous allez entendre une sonnerie. Veuillez alors regarder le sol. Bien, Okay. la partie gymnastique de vos exercices physiques et mentaux est maintenant terminée. Un tableau encadré est accroché au mur. Veuillez vous placer devant. Ceci est de l'art. Vous allez entendre une sonnerie. Veuillez alors contempler l'art. Vos facultés mentales ont été ravivées par l'art. Si vous estimez que votre intellect est insuffisamment stimulé, veuillez écouter ce court extrait de musique classique. Bien, à présent, veuillez regagner votre lit. Et si je veux pas, hein? Bon. Mais bizarre, la chambre d'hôtel. Je suis sûr que le lit est piégé. Je vais m'allonger, une trappe va s'ouvrir et pan. Y a rien à faire dans ce mobile home. C'est honteux, libérez-moi. Yébé. En plus, on voit qu'il y a un truc de rail là. Plafond. Trop bizarre. Bonjour. Votre cryostase a duré 9, 9, 9, 9, 9. 9, 9, 9. Ce message a pour but Eh de vous oh! informer que tous Y'a les sujets de test doivent quitter sans quelqu'un? Eh délai le oh! centre d'enrichissement. Tout Vous sujet de test comptez encore en ouvrir la cryostase porte? sera Un de réputé ces avoir jours? voulu demeurer en état de relax. Oui! Ah! Oula! Vous avez une mine affreuse. Superbe. Superbe. Comment ça va? Non, ne répondez pas. Je suis sûr que ça va. Vous aurez largement le temps de vous remettre. Allez-y, mollo. Préparez-vous à l'évacuation d'urgence. Du calme. Préparez-vous. Il n'a rien dit de plus. Tout va bien. Bougez pas. Je vais nous faire sortir d'ici. Oh, vous en faites ce que vous voulez, mais un conseil, accrochez-vous. Hein? Ça va de votre côté? Vous m'entendez? Qu'est-ce qu'il fait?
Ne me dis pas qu'il est en train de tracter ma chambre tout entière. Après quelques mois en cryostase, la plupart des sujets ressentent une détérioration de leurs facultés cognitives. Vous, ça fait nettement plus longtemps que vous y êtes. Il n'est donc pas exclu que vous ayez quelques lésions irréversibles de rien du tout. Ne vous inquiétez pas, hein. En fait, si vous vous inquiétez, c'est bien. C'est une réaction normale quand on vous dit que vous avez des lésions irréversibles. Vous me comprenez? Oui, non, un peu. Est-ce que vous arrivez à me suivre? Répondez juste oui. Le lit, on peut m'expliquer pourquoi c'est de la guimauve? Qu'est-ce que... Attends, je sais plus parler. Je suis troublé. Attendez, je suis en état de choc. Ça s'appelle sauter. Vous avez sauté, c'est ça. Mais peu importe. Dites pomme. Pomme. Fous-toi de ma gueule, panquier. Juste ça. Pomme. Mais je suis tombé dedans, Nigo. Facile. Un grand classique. P-E-2-M-E. Dites pomme, juste ça, pomme. Mais c'est facile comme pépin, si j'ai envie de comment dire quoi. Comment l'utiliser dans une phrase? Cette pomme est très juteuse, par exemple, et je vous demande pas toute la phrase, juste le mot pomme. Il me fout la paix bon, après si je dis pomme. Accrochez-vous. Quoi? Système de sécurité du réacteur dysfonctionnel. Veuillez vous préparer à la fusion du cœur du réacteur. Hein? Bon, écoutez, je voulais pas vous le dire, mais je suis un peu dans la mouise. Comment ça va de votre côté? Vous tenez le coup? L'alimentation de secours est en rade. Du coup, tout le centre de relaxation arrête de réveiller les sujets de test. Approchez-vous, c'est un peu délicat. Je vais retourner dans mon lit. Informé, moi, j'aimerais, à quoi bon me dire quoi que ce soit? C'était mieux avant. Hein, je vous le demande. À quoi bon me tenir au courant des fonctions vitales des 10 000 sujets de test que je suis censé superviser? Mais ah, c'est étroit. Mais vous voyez quelque chose? Je vais pouvoir passer? Il y a la place? Oui, ça passe, ça passe. Il faut juste que je passe ça là. Bon, il faut juste que je me concentre. On est où, là? Et à votre avis, qui c'est qui va payer les pots cassés quand la direction viendra par ici et découvrira qu'on entretient 10 000 légumes? Ah! Mais ça fait très mal! Ah! Ce serait pas mal qu'on accorde nos violons, pas vrai? Si attends. On vous le demande, ça risque pas d'arriver, hein. Mais le point de chute, si on vous le demande, pour vous, aux dernières nouvelles, tout le monde était vivant, pas du tout mort. Oui. Ok, on y est presque. De l'autre côté de ce mur, il y a l'un des vieux circuits de test. On devrait y trouver un appareil dont on va avoir besoin pour sortir d'ici. Je crois que c'est une station d'accueil, ça. Préparez-vous. Docking station, oui. Enfin, y a pas bonne besoin nouvelle de... C'est pas une station d'accueil. Un mystère de résolu. Je vais tenter un override sur ce mur. Quoi? Accrochez-vous, oh ça non. Risque de devenir méchamment technique. Mais non, mais il est en train de tout déboîter. Non, mais il est fou, est ce presque. Mec. Pour rappel, vous cherchez une arme... Je veux m'enfermer dans les chiottes. Balles, mais au secours. Enfin, vous verrez bien. Accrochez-vous bien, d'accord? Mais j'ai pas besoin d'armes, j'ai... Ah! Attendez, ne bougez plus. Et voilà. Je vais être honnête, vous n'êtes sans doute pas en état de vous lancer dans ce genre d'épreuve cognitive. Mais au moins, vous savez sauter, c'est déjà ça. Vous êtes fortiche en 3D. Faites de votre mieux, d'accord? On se retrouvera plus loin. Ok. Ce bordel... Allez, en avant. Oui, mais je vais y aller, j'ai le droit de me remettre de mon état de choc, moi. Voilà, c'est ça. Ah! Bonjour et bienvenue au centre d'enrichissement d'Aperture Science. Oh non. Nous éprouvons actuellement des difficultés techniques dues à des circonstances potentiellement apocalyptiques, indépendantes de notre volonté. Oh non. Cependant, en vertu des protocoles d'urgence, les tests peuvent continuer. Ces messages préenregistrés sont destinés à vous fournir instructions et motivation, afin de continuer à servir la science, même en cas de destruction de l'environnement ou de la civilisation. Oui. Le portail s'ouvrira et les tests d'urgence débuteront dans 3, 2, 1... Pause. Mais j'ai même pas le temps de lire. Attendez. C'est quoi ça? Ils sont fous, eux. Ah, c'est les principaux symboles de... Bref. Est-ce que les chiottes sont propres? Pas vraiment, Dirk. Ah, la fameuse radio. Je pars avec la radio.
Oh là là, mon dieu, que de souvenirs. Mais on peut se prendre des cubes dans la gueule, tu m'étonnes. Ah, la nature a repris ses droits. Attendez. Je connais cet endroit. Attendez. C'est la chambre de départ du 1, mais... Les tests à base de cubes et de boutons demeurent une priorité, même face aux conditions adverses. Si les dites conditions sont la conséquence de nos tests, sachez que ce cas de figure a peu de chances de se produire deux fois. Oulala, il peut y en avoir des choses dans ces tuyaux. Vous remarquerez le champ de particules incandescentes situé devant la sortie. La grille d'émancipation matérielle d'Aperture Science désintégrera tout matériel non autorisé la traversant. Oui, je sais, je peux faire une croix sur le poste radio. De toute façon, il ne marchait pas. Alors. Oh là là, c'est vertigineux. Oh, ce bordel. Oh là là. On va en bas, c'est ça? C'est toujours plus bas? Oh. Bon, bah on va en bas. Oh mon dieu. Je crains le pire. L'immersion est terrible. Si vous sentez un liquide sur vos épaules, allongez-vous et exercez une pression continue sur vos tempes. Alors, Il s'agit d'un effet rare mais néanmoins connu. La grille d'émancipation matérielle d'Aperture Science a simplement émancipé vos tympans. Ah bon? Non mais, je... Je peux avoir du liquide quelque part mais je dirais pas où. C'est indécent. Oula. Oulala. Ah. Oh. Oh, GLaDOS. Bah alors, tu me mates pas? Ouh, GLaDOS. Elle est éteinte? Bah merde alors. Non, GLaDOS est vraiment morte? Je me refuse à le croire. Oula. Ah. Oh. Ah, là, je peux avoir un cube. Voilà. C'est impressionnant. Mmh. Oui, c'est bizarre, des points de colle. Une belle fougère, hein, il y a des beaux trucs. C'est bizarre de voir toutes ces salles en mode délabré. Attendez, j'ai un petit point avec ma souris là. Parce que j'ai la manette qui passe par-dessus, machin qui passe pas en dessous. Non, faut que j'arrête de zoomer à mort. Non, c'est encore pire. J'ai aggravé la situation avec ma souris, merveilleux. Alors, attendez, la manette va passer là. La souris, elle va passer là. Voilà, ce sera peut-être mieux, pardon, ça donne droit à une scène surréaliste. Mmh. Ouais. C'est bien le zoom, hein, mais ça me pelle-toube. Bon, une fois que j'ai fait ça, j'ai le droit d'aller là, c'est ça? Non, GLaDOS, elle est HS. Oh, j'arrive pas à l'admettre. Bien. En raison de difficultés techniques, votre environnement de test ne fera pas l'objet d'une supervision. Avant de retrouver un caisson de relaxation à l'issue des tests, veuillez prendre le temps d'en consigner les résultats. Un préposé de réintégration d'Aperture Science vous réveillera à des fins d'entretien une fois la civilisation reconstruite. Et... Oula. Oula.
Ah, il y a un petit bug de cube là, je voulais. Quoi? Il y a une tourelle dedans, c'est quoi ce merdier? Oulala. Et puis c'est l'obscurité au possible. Toujours aussi rassurant. Très bizarre. Si la Terre est actuellement gouvernée par un animal, un nuage doué de conscience ou toute autre entité gouvernementale qui refuse ou est incapable d'entendre raison. Oui. C'est... Oui, c'est très particulier. Cette animation est, comment dire, pleine de sous-entendus. Oh mon dieu, la tourelle léopard. Ah. Oh vache. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais c'est du délire. Oh là là. Mais rien, pas une collation, pas une machine à café. Oh là là. Ouch. Il ne se passe à rien. Bon, d'accord. Ah, je me souviens de cette salle. Hey, vous avez réussi. Il doit y avoir un générateur de portail sur ce podium. Mais je le vois pas. Il est peut-être tombé. Vous pouvez aller voir. Ah! M'a foutu des jetons. Vous voyez le générateur? Il y a tout qui fait, est pété. C'est important, j'aurais dû commencer par là. Ouais, vous bien sûr. Je vais partir du principe que vous êtes encore en vie et je vais attendre ici que vous arriviez. Oula, attendez, là, on me raconte une histoire. Oh là là! Si je trouve votre cadavre, je vous enterre. Ça marche comme ça? Allez! Pomme! C'est tout ce que j'ai à lui répondre. Quoi, les faces de la lune? Sérieux? Oh la vache! Waouh! Attendez, il y a une histoire à lire là. Des scientifiques, ok. On a mis au point GLaDOS. Ça, c'est GLaDOS. Les scientifiques ont mis au point GLaDOS. Après, qu'est-ce qui se passe? GLaDOS a pété un câble et a tué ses créateurs, visiblement. Ah, il y a le coup du cake Isolai. Ah oui, le cake mensonge de la part de GLaDOS. Oulala. J'aime beaucoup les illustrations de la pâte graphique. Vraiment, j'aime beaucoup. C'est stylé. D'ailleurs, je suis en droit de faire des captures d'écran normalement. J'aimerais bien en faire une parce que l'image là est très belle. Comment on fait? Merde, c'était quoi la touche que j'avais programmée moi pour les captures d'écran? Ou imprimer écran tout bêtement? Oh merde, je sais plus, tant pis. Bon, je ferai une capture d'écran et issue de mon direct, c'est pas grave. Mais très beau, j'aime bien. GLaDOS, HomeCube, je sais pas quoi, le manipulateur de portail. Et alors là, c'est avec le jeu de lumière, c'est pas facile à lire s'il y a quelque chose à y lire. Tâche orange, je sais pas, c'est le portail orange qui gagne à la fin. C'est bizarre. Oui, j'ai essayé, merci, c'est une scène, mais j'ai dû. Comme à mon habitude, j'ai dû tellement bien bidouiller et personnaliser les touches que je les ai déglinguées et je m'en souviens plus. Mais bon, bref. Ah! D'accord. Là, la bête. Ah! Ah, mais c'est merveilleux, ça. Et il n'y avait rien d'autre ailleurs? Non.
Oui. Non, mais je suis toujours preneur d'avoir une scène en mode guide, comme. Comme tous mes guides. Comme tout un chacun accepte de m'aider. Quand je suis réceptif, hein, n'oubliez pas de faire attention à ne pas divulgâcher les œuvres, s'il vous plaît. Mais de temps en temps, le copilotage, j'ai rien contre. Ce sont des machines de mesure de je sais pas quoi. Des mètres cubes par heure. Ils mesuraient des volumes en mètres cubes par heure. C'était les débits dans la tuyauterie ou... Nous avons une heure. Ouh là là. Il y a des dossiers secrets sur Steam et Valve. Il y a un code promo caché quelque part. La folie du jeu. C'est ça qui est beau. Oh mon dieu, ce bordel. Encore plus bordélique que dans The Forest. Ça fait peur, ayez peur. Oui. Certains tests d'urgence peuvent nécessiter une interaction prolongée avec des androïdes militaires mortels. Pardon ? Nous tenons à vous assurer que tous savent lire et ont reçu un exemplaire des lois de la robotique à titre indicatif. Ouais. Je sens que je vais me faire trucider d'ici 2 minutes. Ok. Alors attends, le portail il est là. Ouais, je peux continuer mon... Ouche. Attends, là, il faut inverser, là, faut que je monte. Mais... Oh, ça fait bizarre de voir GLaDOS en PLS. La malheureuse est désactivée. Bien, si vous estimez qu'un androïde militaire mortel n'a pas respecté vos droits stipulés dans les lois de la robotique, indiquez-le dans votre formulaire d'autorapport. Un futur préposé au dédommagement d'Aperture Science ne manquera pas d'enregistrer votre plainte. Je pense pas que je puisse forcer les carreaux et aller dans des pièces. Attendez voir. Non, je peux pas. Pas mal l'aspirateur, pas mal. Oh le merdier. Tout est en haut maintenant. Pidi, chibidibi. Cette image. Allez, une dernière fois, parce qu'elle est rigolote l'animation. Excellent. J'adore. Oh, ne va pas retarder ton départ pour le resto. Je vais pas jouer trop longtemps, hein. Je vais jouer encore 10 minutes et puis... Le prochain test est très dangereux. Pour vous aider à rester calme face à une mort certaine, de la musique d'ambiance vous sera administrée dans 3, 2, 1. Excellent! Ah, dommage, c'était bien sympa. Vous avez Careless Whisper? J'achète. Oh, je reconnais l'endroit. Oh mon dieu. Alors, non, la caméra était pas là, elle était là, en fait. Oh, les cassus. Quelle tristesse. Demain, je me fais une pizza. Super pizza à côté de chez moi. Oh, bien. Bien legit, bien. Le portail orange, il est... Merci. Même désactivé, je la torture. Oh, salle numéro 4. Oh.
Oh, je l'ai vu. Ça y est, j'ai repris goût à la... au sabotage de GLaDOS. Même chaos. C'est moche. Alors, attendez. Faut que j'aille récupérer le cube. Ouch. Attends, faut pas que je me propulse non plus. Mais... Ah! Ça y est, ça commence. Merci. Ah ben, petit cube. Tiens, de la paix, oui, cube. Oui, là ça se ferme, mais comment atteindre le... Attends. Comme ça. Mais non, je pourrais jamais... Non, c'est pas ça. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait un autre cube, là. Attendez. Objection, votre honneur. Viens, tu vas mourir, toi. Oui, il faut regarder partout. Je suis d'Akodak. Il faut regarder partout. Partout. Ah! Donne-moi mon cube. Bah, mais non, mais il m'a dit... Mais... Ah oui, non, j'ai rien dit, pardon. Beau travail. Ce message étant préenregistré, tout commentaire de notre part sur votre réussite relève de la spéculation. Veuillez ne pas tenir compte de tout compliment non mérité. Aïe! Ah bah, bravo. J'ai tout cassé, chef. C'est quoi ce bordel? Oh mon dieu. Je vais aller à la passerelle, au secours. Oh. Il y a des dossiers secrets. Qui c'est ce truc? Je comprends rien. Unreason. Oh, un chat! Le chat de la lune. Je n'ai rien compris. Oh mon dieu. Ah. C'est trop étrange. J'ai l'air de la péricule. Adieu, Gladys. Oh! Les écrans pétés. Oh, et ça, c'est psychédélique. N'essayez pas de régler votre écran. Bruh. Wouah! Ils durent trop bien, les écrans. C'est scandaleux. Oh! Comment je me suis téléporté? Bon, bref. Ouais, bah une fois que c'est condamné, c'est condamné. Ah, je peux pas me barrer. Ah, y a pas de surface réfléchissante. Non. Non, d'accord, on y va. Allez, dernière salle et puis... Je ferai la suite un autre jour, mais c'est sympa comme petite intro. C'est sympa. Si le centre d'enrichissement fait l'objet d'un bombardement de boules de feu, météorites ou autres corps spatiaux, évitez les zones dans lesquelles l'absence de protection anti-météorite ne constitue pas un élément constitutif du test. Et de là à se manger un météore dans la tronche. Oula. Ouais. Ah merde, je peux me noyer, c'est moche. Qu'est-ce qui se passe? Oh là là, oh le bordel. Bon allez. Attends. Ah, merci. Ah, alors. Oulala là là. Oulala, là là, on peut s'en prendre des trucs dans la tronche. Ouh tchou. Alors, les petits bluc. Ah, c'est un distributeur de cubes. On veut des cubes. Donnez-nous des cubes. Des cubes.
Acceptable. Oh. Oh. Ah, encore. Bah cube. Oh merde. Ah oui, c'est violent là, c'est très très violent. Réfléchissons. Attendez, ça c'est quoi? Ah! D'accord. Et hop, on n'y arrive pas. Et but! C'est rigolo. Ciao, rigolo! Bravo, le centre d'enrichissement vous rappelle que malgré l'adversité, vous n'êtes pas seul. En effet, il suffit de 1,1 volt à nos pseudo-personnalités pour maintenir leur intégrité même dans des environnements apocalyptiques. Quoi ? Mais il est fou qu'il y raconte, lui. Pidi 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 pidi. Oh le bordel ! Oula, ça va finir par céder là, il y a trop d'objets là, oula. Même une tourelle. N'importe quoi. Bon, je présume qu'on voit toujours rien, oui, c'est l'apocalypse absolue. Allez, on descend toujours plus au fond du trou. Ah. Ah, et puis je pense qu'on va s'arrêter à cette salle. Je prendrai la suite un autre jour. Qu'est-ce que... Le prochain test repose sur la conservation de l'énergie cinétique à travers les portails. Si les lois de la physique n'ont plus cours dans le futur, Dieu vous garde. Oh mon Dieu. L'énergie cinétique, il va falloir que je me propulse à donf. Ah oui. Ouh la vache. Ouh là là. Comme ça. Non, dommage. Oups. Ah oui, à partir de... Oh là là, mon Dieu. Aïe. Oups. Ah, il y a un truc là. Ah, il y a un cube. Je veux le cube. Je veux le cube. Pili 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 pili. C'est quoi ça? Ah, c'est là d'où je viens, d'accord, ok. Ok, ok, ok. J'ai rien dit, j'ai rien fait, vous n'avez rien vu. Je le convoite. Je le veux. Donnez-le-moi. Le cube. Le cube de l'amour. Le cube de l'amour. D'ailleurs, celui-là n'a pas son petit cœur. C'est pas le cube de l'amour, c'est honteux. Si vous êtes un non-employé ayant découvert ce centre parmi les ruines de la civilisation, bienvenue. Les tests sont l'avenir. Et l'avenir commence avec vous. Mm-hmm. Ah merde, je suis tombé, con. Rien. Oh. On peut en faire des choses, c'est scandaleux. À travers les tuyaux. Oula. Oulala. Oulala. Ah oui. Je présume qu'il y a de ça à faire, mais j'ai envie de faire un très joli saut là. Pour le délire. Aïe. Je sais pas où je suis. Oh, un cube. Tu retrouveras le cube avec le cœur plus tard. Oh. Rendez-vous le 14 février. Pour la Saint-Valentin, j'aurai le cube de l'amour et... Bouic.
Je crois que c'était pas ça qu'il fallait faire. Je fais n'importe quoi. Attendez. Mon cerveau est en train de... Ah, je t'ai vu. Je vais manger, je laisse mon lurk. Ah, c'est gentil le baron, ouais, mais je vais arrêter dans 2 minutes. Je vais faire un relais de chaîne à Momoka. Parce que j'ai Momoka. Comment dire? Vous avez une masse, vous avez... Ah, pardon. Je vais y aller. Ah non, j'ai merdé. J'ai mal sauté. Oh là là, oh la merde. Mais je sais plus... Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Bravo pour votre découverte, être d'avenir. Cela étant, si l'avenir est peu susceptible de commencer avec vous suite à une tare mentale, un âge avancé ou une irradiation prononcée, veuillez regagner votre tribu primitive et envoyer une personne plus apte au test. Mais ça parle mal. Et oh, tribu primitive toi-même. Oh mon dieu, tellement de tests. Allez, je vais sauvegarder après le chargement de la salle. Puis on va aller voir Momoka. Moi je vous laisse là, je vais aller dîner. Je reviendrai demain matin sur je sais pas quel jeu. Peut-être que je continuerai mon fameux Far Cry 2. Afin d'assurer une alimentation suffisante pour les protocoles de test principaux, toutes les mesures de sécurité ont été désactivées. Le centre d'enrichissement respecte votre droit de réserve relatif à cette déclaration. Le truc à l'envers! Ils sont fous! Ils ont fait le truc à l'envers! Bon bref, je sauvegarde et on continuera à sauvegarder. Ah oui, ah oui. Allez, zoom. Mais l'interface est superbe. Chebao. C'est quoi les extras? Quoi? Ah! Oh là là! Ah, teaser vidéo! Oh là 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 là! Waouh! Il va y avoir des trucs à regarder! Oh là 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 là! Un teaser interactif? Non! Attends. Mais c'est un truc à jouer? On verra plus tard. C'est un truc de fou. Fais Super 8. Allez, on fait Super 8. Et puis après, je te libère que t'ailles à ton resto. Et puis moi, que je mange. Ok. Je fais Super 8 et puis après, on file chez Momoka. C'est mieux Super 11, mais qu'il est bête. Waouh. Zoomé. Ouais, ouais. Mais attends, le journal, il dit quoi? Les autres, ce sont des mini-animations en rapport avec le centre. D'accord. Ah oui, donc de temps en temps, je pourrais faire une mini-animation. Ok, ok. Ouais, ça me plaît bien, merci pour l'info. Eh oh, doucement, j'étais en train de lire le journal là. Ils sont fous. Hein. Oula, c'est en train de ma boule dans lequel je suis embarqué moi. Et les trucs, c'est trop bizarre. Des têtes de nœuds, ouais. Les jetons. C'est la scène d'intro d'un film Super 8. Ah d'accord. Un film sorti en 2011. Wow.
Ok. Je crois que je suis mort. Ah, c'est beau. Oh, c'est joli. Bon, le train est foutu en l'air, d'accord. Ah. Oui, bah, si on veut manger un morceau avec un couteau, un petit feu, et puis... On se fait des côtelettes là. Ah, t'as le film original sur YouTube. Intéressant. Ah, je regarderai ce soir une scène. Tu m'intrigues. Mais merci pour la référence culturelle, c'est très intéressant. Oh, ils sont cassés le cul à modéliser tout ça. Vache. La bande annonce. Ah. Eh ben dis donc. Oh, des mini-cubes de... Enfin, je crois reconnaître. Les mini-cubes de... Portal. Excellent. Ah, je suis feu! Ah, mon dieu! Oula! Oh! Eh ben, dis donc! Je trouve un peu gros le feu de signalisation. C'est pas si gros que ça habituellement, si? Ou alors j'incarne un gamin ou. Voilà. C'est pas les mêmes cubes. Ah. Je peux pas sauter, j'ai l'impression. C'est bizarre. Ouais, fait signalisation de train, mais je l'ai trouvé vachement gros, je trouve. De mémoire, pour moi, c'est plus petit. Ok. Ok. Magnifique. HTTP:// C'est énorme. J'adore. Oh le bordel. Attends, reprendre la partie. Ah non. D'accord. Ah, c'était psychédélique. Merci. Mais le boulot de modélisation, la vache. Allez, je vais faire les deux chaînes chez mon manca qui joue à je sais pas quoi. Voilà, je suis dans le noir. Dans le noir psychédélique. Je fais mon idiot à la caméra. Bon, bah merci de votre présence. Moi, je vous souhaite la bonne soirée. Je vous dis à demain vers les 9h et des bouettes. Je vais me manger un morceau. Pour tout vous avouer, je crois que j'ai passé ma soirée à m'amuser à modéliser une carte. J'ai commencé à modéliser une carte dans l'éditeur de niveau de Far Cry 4. C'est magnifique. Magnifique, j'adore. Bon Fort Boyard. Fort Boyard, c'est le samedi, normalement, pas le jeudi. Je ne sais plus, je suis perturbé, mais bref. Amusez-vous bien. Bisous, merci pour tout et à demain. On fiche Momoka. Attendez, j'ouvre mon navigateur.
Nous allons voir comment va réagir Momoka. Ça va être la surprise. Alors, Momoka. Oh, quelqu'un sous spectateur. Oh, c'est moche. C'est muche. Bon, je vois Momoka. On débarque. Ouais, bonsoir, Aeroster. Eh oui, on débarque. Ah oui, attends, faut que j'attende que le relais de chaîne se fasse parce que. Patience. Ah, ça lui fera plaisir à Momoka d'avoir un petit peu de monde. Il y a juste Aeroster qui. Moins de resto, économie égale ordinateur. Oh, fun fan, oh le vilain. J'ai de la marge pour te rattraper, oh mon dieu. Le sage homme de l'ombre, dit Torota. Et voilà! On débarque. Du. Petit coco. Yay. Love. Alors, je connais pas son jeu, je vais regarder le jeu à Momoka. Merci les animes qui regardent, hein. Prenez soin de vous, bisous, à plus.